C'est dans ce petit quartier tranquille qu'habite Boisdin, un jeune vidéaste sur YouTube qui a fait récemment polémique sur sa dernière vidéo. La société des Schtroumpfs a toujours été communiste, fasciste et machiste. Alors je suis actuellement devant chez Boisdin. Pour avoir beaucoup plus d'informations sur l'affaire, nous allons donc sonner à sa porte. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah bah Boisdin, un petit commentaire. Ah putain, il est complètement fou! Ah! Journal de mes deux, va! I'm Batman, the motherfucking Dark Knight! I'm a playboy by day, vigilante by night! I'm Batman! Vous connaissez tous les super-héros des comics et des films, super sympa, super héroïque, super. Sticky Pants va vous faire pénétrer dans leur intimité, et c'est pas super joli à voir, mais c'est super drôle. Bonsoir, cher double, de quoi parles-tu aujourd'hui? Mais tu veux pas me lâcher la grappe, toi? Négatif. Ok, tu l'auras voulu, je parle de ça aujourd'hui. Tiens, regarde. Dégage. C'est obscène. Va-t'en. Mais vite, Flash, mais vite. Je suis à fond. Édité par Monsieur Popcorn, scénarisé par Tony Emerio et dessiné par Xav, Sticky Pants est à l'origine un blog nommé Le Lycra Sacole. Mais Lycra est une marque déposée, donc le blog et la BD ont dû changer de nom. Where is he? Elle y est. Elle y est. Where is... Sodomie, fist-fucking, pénétration anale et vaginale, Sticky Pants n'y va pas par le dos de la main morte, et c'est ça qui est jouissif. Excuse-moi, je ne tolérerai pas l'émission avec autant de... De cul. Ah. Et on va faire une émission sur Babar. Ouais. Ah oui, broute-moi la fougère. Déconseillé aux moins de 18 ans, je pense que vous pouvez pénétrer dans l'œuvre à partir de 15-16 ans, parce que de toute façon, vous jouez à GTA à 10 ans, et vous mariez à 15. Voilà, lisez Sticky Pants, que ce soit le blog ou la BD, pour revenir au fondement du super-héros. Salut les bédéphiles! Merci d'avoir suivi cet épisode comme d'habitude. J'ai une page Twitter, Facebook, tout ça est dans la description de la vidéo. Une page Tipeee aussi, d'ailleurs le nom des premiers tipeurs qui sont 3 normalement apparaissent ici. Voilà, merci à vous. J'ai également commencé cette semaine à faire un live toutes les semaines environ qui s'appelle 2 heures pour dessiner. Tenez-vous au courant sur la page Facebook. Et si vous aimez les blogs parodiques de super-héros, j'en tiens un moi-même qui s'appelle Bat Censeur. Le lien est également en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine.